Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Sans perdre du temps, Mathieu, nous venons avec une super vidéo pour vous. Et tant pis, s'il vous plaît, demandé autant pour vous-même qui voulez encourager le travail si là qui n'a pas fait. Nous demandons autant pour faire nous faveur de nous et puis parce que vous connaissez un travail qui bon, quel que soit vous-même ou pas ta besoin et forme du même les ou pas ta besoin, il y a un pile utilité nécessaire même les ou pas ta voulez utiliser dans moment. Et même si vous-même pas voulez utiliser, nous demandons autant pour aidez-nous, partager ensemble avec nous, n'attendre commenter ou ça ou penser. Et puis abonnez ensemble avec nous pour capable faire ça. Le web c'est petit rouge, le rivet sous vidéo pas nous. Hein? Ou taper sur lui, ou taper sur lui là-bas ou toi petit cloche, ou pour le dire personnaliser et puis ou pour le dire tout, ou mettre sur tout, assiste toute fois ça t'intéresse. Chaque fois nous l'avons une vidéo pour capable joindre lui. Pour nous commencer, nous disons, nous parlons de los saludos de cariño. Los saludos de cariño, es decir, ou bien ça veut dire, leo parle de los saludos de cariño, ça veut dire salutation de sagesse, parce que tout dépend confiance ou amitié ou bien distance ou bien mon coravel, gien gens salue mais tout dépend tout de si on sentit au moment ou qu'on connaît avec un monde, gien l'autre gens ou veut saluer avec plus humilité, tout dépend de confiance nous gien. Qui donc pour nous commencer, il dit hola amor, hola amor, hola amor. Et ça veut dire bonjour chérie. Bonjour chérie, ça veut dire hola amor. Hola amor. Bonjour chérie. Ou ça me dit là? Hola amor. Hola. L'autre dit mon nom, hola, rapide ou bien t'as dit bonjour ou bien bonsoir. D'accord? Alors que nous pas dit, là nous parle nous dit hola amor, nous pas dit amor pas moi ici, nous dit mort. Nous disons mort parce que nous déjà gagnons à la, nous va faire deux voyelles ensemble. Ou bien, dans l'espagnol, ça nous relève vocal, et nous va mettre deux vocales ensemble. Mais nous disons hola amor. Hola amor, qui veut dire bonjour chérie. C'est très gentil, hein? C'est très gentil, c'est très intéressant. Le ou dit mon nom. Hola amor. Hola amor. Bonjour chérie. Qui jouyez, ça va fait. Qui donc c'est avec yon tonalité de soprano, quelqu'un qui compte chanter tonalité de sagesse. Et puis pi devant lui dit hola cariño, ça c'est pas pour n'importe moun ou pas dire ça, si on nous reconnaît, si on nous habite avec, si on nous fait n'importe plaisir, parce que yon moun c'est pas madame ou seulement, c'est pas ménage ou seulement, ou fait plaisir quelconque de sagesse ensemble avec lui, et toutes les fois tout ça t'arrive comme ça, pas veut dire pas respecter mon nom jamais, c'est pas la nuit, mais ça veut dire qu'il y a des gestes d'amitié, gestes de respect, et puis ça nous parlait de sagesse. Hola cariño, c'est même genre l'autre dit mon nom, hola cariño, c'est un coup d'abdi, bonjour, bonjour bé, bonjour ma chérie, gen l'autre titre que ou ka mette, mais nous mettons comme ça, bonjour bou. Ou bon bien toujours capable toujours bonjour chéri, bien bonjour bébé, bonjour bébé, comment n'importe gens ou ta capable veut dire, c'est là dit hola cariño, comment estás, donc essayons salutation complètement plein sagesse. Et dans l'autre là nous dit hola corazón. Hola corazón. Hola corazón, ça veut dire bonjour cœur ou bien bonjour bébé. N'importe gens ou veut dire là. Bonjour mon cœur. Bon, moi c'est pas comment pour me capable écrire ça encore. Non, bien j'aime pas écrire encore là. Bon, pas de fin vle comme ça. Bonjour mon cœur ou bien bonjour cœur. C'est ça nous facile dit hola corazón. Bonjour cœur. Ou bien bonjour bébé, ou bien bonjour bébé, ou bien
C'est tout. Bonjour cœur. Hola corazón. Mais ça son moun, ou fle ba yon salutation de sagesse, yon salutation qui charge avec augmentation, yon salutation qui charge avec l'amour. Songez moi parler nous de ça déjà, langue espagnole, c'est une langue qui très d'amour. Très très d'amour au superlatif. Et ça fait li gen moi amine avec tout petit de pan. Si fois ça pour nous c'est juste pour nous capable rentrer dans réalité que langue espagnole c'est une langue d'amour. Et dans l'autre là, il dit Que tal amiguito? Que tal amiguito? Là, du monde là, que tal? C'est même j'allais te dire hola. C'est même j'allais te dire comment? Comment estás? C'est même genre là où te dit comment estás, d'accord? Ou comment estás? C'est même là où te dit mona que tal? C'est même genre où te dit hola, comment estás? Mais là où te dit mona que tal? Tout rapide ou que t'as demandé qui gens ouyé? Qui gens ouyé? Comment estás? Toujours lui rentrer dans même application avec ça, mais c'est plus de sagesse parce que là où dit mon ketal rapide li passer dans une interrogation. D'accord? Li passer dans une interrogation. Ketal? Ketal amiguito? Que tal amiguito? Ça veut dire bonjour tes amis en même temps ou mandé qui gens ouyé ou bien qui gens ça y est hein ou bien tout comment bagaille ouyé? Bonjour tes amis, qui gens ouyé? C'est ça le parler de que tal amiguito. Et nous mandé un encouragement pour nous connaît que ça n'a fait à la intéresser parce que c'est normal, si vous voulez apprendre pas l'espagnol pour capable vivre beaucoup tes amis là, vous capable dire hola amor, bonjour chérie. Hola amor, hola cariño. Oh, mi cariño, ¿cómo estás? C'est normal, c'est très gentil, d'accord? Mon capable dit amor mío, ¿cómo estás? ¿Cómo está todos? Et c'est très gentil, c'est très amoureux en même temps. Ah, c'est facile tout, c'est très gentil, capable de dire amiguito, que tal? Même j'en vous dis que tal amiguito, et puis on capable de dire amiguito, que tal? Oh, amiguito, qui j'en ouye, tes amis? Tes amis, qui j'en ouye, ça veut dire que tal amiguito, ou bien amiguito, que tal? Amiguito, comment estás? Amiguito, comment está todos? Tes amis, qui j'en yé? Comment va yo yé? Ça va fait? C'est très gentil, c'est normal. Pour nous apprendre par l'espagnol, moi là, ça m'a avec nous, et toutes les fois tout, yon moun, t'as besoin de quelques augmentations, moi, pour mettre tout, que moi-même, moi, kabaoul. Parce que, yon pile, si détail, il y a une petite augmentation qui est très nécessaire. Mais pour vous-même qui pas gagne vraiment pratique, quel que soit ou gagne un peu de théorie, parce que Fomzou, l'école classique pas montré moun parler aucune langue. L'école classique pas montré ou parler aucune langue. Sou pas accepté le ou quitter l'école classique pour dépenser kobou, pour perdre du temps, pour apprendre une langue. Mon cher, il est pas facile, sauf que moun qui t'es normalement moun qui t'es fait l'école classique pour moi, dans langue ça c'est la donne, li parler. Par exemple, si un haïtien sotil qui t'es pays d'Haïti ou bien fait dans pays côté parle espagnol, li aller dans l'école côté yo parle espagnol, moun kap fait classe ou c'est espagnol li parler ou bien c'est anglais li parler ou bien c'est français li parler, un point c'est tout. Ou tout parler parce que c'est lui la parler ensemble avec ou par exemple moi-même moi quelques petits monde moi ba yo leçon mais que petits monde ça yo moi tout pas parler créole ensemble avec eux tout ça moi dit en espagnol net moi pas jamais dit aucun mot créole et n'importe question petit monde n'a essayé poser ou tout parler avec lui espagnol
net. Moun ki parle espagnol avec ou net, ka fè classe ou a, li facile pour parler espagnol. Mais c'est dans l'école classique ou doit parler français, ou parler créole, ou mathématiques, ou ceci ou cela, moun a penser en créole pour bay ta konnen langue pa nou la kay nou, soit disant parce que moi même pa wèl, même on dit soit disant enseignon comme ça de ça, c'est un pied droit dans un grain gauche, d'accord? Nous gagnons le français comme langue officielle. Pour autant, les parler français avec nous n'a pensé en créole pour nous bailler réponse. Mes amis qui partent dans la droite, son bagage nous fait nous forcer ensemble avec catégoriquement. D'accord? Catégoriquement et spirituellement nous forcer ensemble avec. Nous n'a appelé en français la pensée en créole. Bon, mon parle comme une langue officielle non, mais puisque peuple a accepté le comme ça et il est en fermer genou dans sens ça pas gagne monde qui ca parler sur ça et faut me dire même si même 10 monde qui décide parler sur ça ensemble avec nous ca faire le faire école langue française pas langue officielle pour haïtien parce que si vous parlez l'école pour appliquer en pour faire temps ou appliquer ça que les règles grammaticales ou pas jamais ca parler français jamais parce que une langue officielle pas besoin l'école pour apprendre. OK, nous était là. Oui, c'est Jean comme ça, c'est comme ça. Moi c'est toi nous bon Jean apprentissage. Moi là ensemble avec nous et c'est pas l'autre monde, c'est amis au centre officiel. Chaque clair ou besoin moi et si vraiment ou t'as besoin un contact téléphonique ou capable quitter ça dans commentaire là et puis m'a dit ou li et augmentation ou t'as besoin et peut-être ou t'as besoin augmentation mais pas besoin tout public là ouais augmentation que on cherche là. Et puis moi là ensemble avec vous et n'a croisé une autre fois encore dans une autre vidéo et n'a fait analyse pour nous porter ces vidéos avec ces phrases pareilles qui très courtes, c'est juste pour capable river parler espagnol même gens avec plus que moi-même parce que ou même si apprendre ou pas apprendre moi-même apprendre déjà moi pas quoi. C'est bye ma bye mais actuellement là moi pas dans route recevoir c'est bye ma bye mais au même cas recevoir dans même recevoir dans l'autre monde qui vient connaître plus parce que une autre fois encore moi souhaite oui un bon moment que moment arrêté au content avec belle salutation de sagesse c'est là yoa mais nous dit hola amor c'est bonjour chérie hola amiguito bonjour bébé bonjour bou chérie qui j'en y et là nous dit hola corazón. Bonjour cœur, bonjour mon cœur, mon ami. D'autres. Et le nous dit que tal amerito. Bonjour tes amis qui j'en y est, ça qu'a fait, qui j'en ça y est. Et puis, une autre fois encore, n'a pas une autre vidéo pour vous, mais ça va toujours très intéressant. OK, bye.